Toujours évident de se faire servir ou d'avoir un étiquetage en français dans certains magasins de Montréal et ailleurs aussi, pas qu'à Montréal. Audrey, la nouvelle chaîne de supermarché asiatique T&T est surtout dans le viseur de l'Office québécois de la langue française. Ouais, le plus grand magasin ici de la chaîne là, qui a ouvert en décembre dernier dans l'arrondissement Saint-Laurent est assez populaire, Michel, je dois le dire, mais je suis allée me promener à travers les allées plus tôt ce matin. Et bon, je dois avouer quand même que l'affichage là est majoritairement en français, avec parfois une inscription en dessous en anglais ou en mandarin, mais c'en est tout autre pour les produits, surtout les produits importés. Il y en a plusieurs dans lesquels c'est écrit seulement dans une langue asiatique là, du pays d'origine. Certains ont un étiquetage en français par-dessus, mais d'autres pas du tout. Pourtant, au Québec, ben, les produits, même s'ils ont le droit d'avoir plusieurs langues d'affichage sur ceux-ci, ben, il faut que le français soit dominant. Et c'est pas le cas. Donc, l'Office québécois de la langue française dit avoir reçu des plaintes pour ce magasin en particulier, au point où on a ouvert une enquête. On n'a pas voulu nous dire combien de plaintes. Par contre, j'en ai parlé avec certains clients rencontrés ce matin, à savoir, est-ce que ça vous dérange là, que certains produits, ben, on peut même pas avoir la description en français. Voici quelques réactions. Je sais qu'il y a des applications que tu peux juste scanner, puis ça montre dans le fond la traduction. Fait que moi, ça me dérange pas trop, mais ça se peut qu'il y ait des gens que ça les dérange plus. Oui, j'aurais bien voulu que ça soit en français, mais bon, c'est le produit que je regarde, puis c'est bon. Si je suis pas sûr, je le prends pas, là. C'est aussi simple que ça. Okay. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait davantage d'étiquetage en français? Oui, ça serait bien. De toute façon, c'est la réglementation, là. Ça devrait être comme ça. Provigo Loblaw, donc, qui possède cette chaîne de supermarchés, vient de me répondre en me disant avoir engagé des traducteurs pour s'assurer que son affichage, que sa circulaire, que ses produits de marque maison sont en français, mais reconnaît que les produits importés, bien, il y a encore du travail à faire, dit être conscient de vouloir promouvoir et de sauvegarder la langue française, mais que ce n'est pas encore parfait. Alors, on travaille là-dessus. L'OQLF a reçu un nombre quand même plus élevé de plaintes dans les 5 dernières années, 6 800 seulement en 2022-2023, et ça fait réagir le président du mouvement Québec français. Ce genre de situation qu'on voit se multiplier, ben, il s'agit non seulement, je reformule, c'est non seulement la loi 101 qui est ignorée ici, mais c'est aussi l'esprit même de la loi de protection du consommateur. On est rendu là. Écoutez, c'est un principe élémentaire et qui vaut normalement pour tous les pays du monde, soit que les produits du commerce doivent être étiquetés dans la langue nationale. Merci beaucoup, Audrey.